Salut les amis, ça y est, l'annonce officielle du lancement de la version Serato Stems 3.0 vient d'être annoncée et elle est donc en téléchargement officiel. Alors dans cette vidéo, on va regarder ce qui se cache derrière cette nouvelle version révolutionnaire du logiciel tant attendu par les DJ et voir en détail cette fameuse fonctionnalité appelée Stems. Allez, c'est parti! Alors, on appelle stems hein, les différents éléments qui composent une chanson. Par exemple, un stem peut être composé du chant, de la batterie, de la ligne de basse ou de la mélodie. Alors, imaginez pouvoir isoler les parties d'un morceau pendant que vous êtes en train de jouer en live. Les possibilités de création deviennent alors infinies. Alors, c'est ce qu'a intégré hein, Serato dans sa nouvelle version du logiciel. Regardons en détail cette fonction Serato Stems. Alors tout d'abord, Serato a intégré un algorithme très puissant dans son logiciel, offrant une qualité sonore et des performances jamais égalées jusqu'à aujourd'hui. Alors la nouvelle fonction Stems va vous permettre de créer des a cappella et des instrumentaux en un seul clic. Tout ça en isolant ou en supprimant des parties du morceau pour créer des transitions les plus fluides et originales possibles grâce au MIDI map ou via les commandes de votre matériel dédié. Vous allez pouvoir réaliser des mashups en live en mélangeant les pistes de vos morceaux à la volée en quelques clics seulement. Et bien sûr, très facilement. Alors, plus besoin de passer des heures à essayer de trouver une a cappella, une instru ou bien de créer des modifications personnalisées sur des logiciels de production. Alors vous pourrez également personnaliser vos performances avec le Stems Pad Mode et le Pad FX. Alors cela vous permettra d'isoler instantanément les voix, la mélodie, la basse ou la batterie et ajouter des effets grâce aux pads créatifs comme des échos ou des breakdowns. Vous avez la possibilité également de préparer un crate, un bac à disques spécial Stems. Il suffit simplement de glisser et déposer vos pistes dans la caisse Stems et l'algorithme les analysera à l'avance. Donc cela signifie que vous pourrez économiser sur le CPU de votre ordinateur et vous accéderez à Stems encore plus rapidement lors de vos routines les plus complexes. Vous noterez également que l'affichage de la forme d'onde a été simplifié afin d'obtenir un suivi dynamique. Alors cela signifie que vous verrez instantanément les formes d'ondes colorées de Serato changer de couleur lorsque vous déclencherez la séparation des sources musicales en temps réel. Alors vous verrez malheureusement que cette nouvelle version du logiciel ne fonctionnera pas pour tout le monde. En effet, si l'on regarde la configuration minimale recommandée par Serato, on s'aperçoit qu'il est nécessaire d'avoir un ordinateur très performant. Donc si vous êtes sur Mac, vous devez avoir minimum un ordinateur de 2017, minimum. Donc voilà, avec un Intel Core i5 ou un Apple avec la puce M1 ou M2 ou bien supérieur. Une mémoire de 8 Go ou plus de mémoire de RAM, un stockage de 15 Go d'espace disponible en SSD si possible et puis être sur la version d'OS Ventura, Monterey ou Big Sur. Voilà, alors si vous utilisez, on va aller voir un petit peu plus bas, mais si vous utilisez, si vous faites du scratch, si vous faites de la diffusion en direct, si vous mixez à plusieurs platines, ou si bien sûr vous utilisez le Serato Vidéo, là, il vous faudra un Mac de 2018 minimum avec un processeur Intel Core i9 ou un Apple avec la puce Mac 1, Mac 2 ou supérieur. Mais là, il vous faudra une mémoire beaucoup plus importante qui est de 16 Go ou plus et un stockage de 15 Go. Alors faites bien attention sur ces recommandations, puisque tous ceux qui n'auront pas ces performances d'ordinateur, soit le logiciel ne pourra pas s'installer, ou alors si vous arrivez à l'installer, vous utiliserez beaucoup de ressources de votre processeur, et puis donc peut-être vous aurez des micro-coupures, votre logiciel buggera, et vous ne pourrez pas réaliser vos performances. Donc faites bien attention aux recommandations, voilà, je sais que c'est un peu frustrant pour beaucoup. On va aller voir pour Windows, donc Windows, alors c'est un peu pareil, donc voilà, processeur donc Intel Core i5, nouvelle génération, sixième génération, ou AMD Ryzen 5 série 3000 ou supérieur. Alors attention, le AVX est requis. Moi j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient quand ils ont essayé la bêta que voilà, on leur demandait l'AVX qui était requis, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Donc voilà, je pense que vous pouvez cliquer là pour aller voir. Et il y a peut-être un module à télécharger en plus pour les utilisateurs de PC. Donc mémoire 8 Go, stockage 15 Go, mémoire vidéo
Voilà, pareil, hein, donc vous pouvez lire sur le site hein, de Serato. Et voilà, cette version du logiciel ne fonctionne que sur Windows 11 ou Windows 10. Alors, si, pareil, vous faites du scratch, hein, vous faites de la diffusion en direct, vous utilisez plusieurs platines ou vous faites de la vidéo, et bien voilà, maintenant on passe sur Intel Core i9, l'AMD Ryzen 7 série 5000 ou supérieure, et puis une mémoire de 16 Go, etc., etc., mais toujours sur Windows 10 ou Windows 11. Donc, la compatibilité hein, de votre système d'exploitation en fonction de cette nouvelle version du logiciel. Donc voilà, faites bien attention, hein. Ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Malheureusement, bah voilà, certains vont être obligés d'acheter un nouvel ordinateur beaucoup plus puissant et plus récent. Et c'est un petit peu ça qui est frustrant. Donc voilà, moi j'ai installé la nouvelle version Serato 3.0. Alors, mon MacBook est de 2020, donc je rentre dans les cases des configurations minimum, mais j'ai un i7 et pas un i9. Alors, i7 marche très bien hein, si on fait juste du mix, hein, mais dès qu'on veut scratcher, hein, on a vu, ou faire de la vidéo, eh ben, il faudrait un i9. Donc moi, je scratch beaucoup aussi, donc je vais tester cette version avec vous tout de suite et maintenant. Donc tout d'abord, avant d'utiliser nos stems, hein, il va falloir aller paramétrer quelques onglets. Alors on va aller dans les paramètres du logiciel et puis dans l'onglet Préférences DJI, vous voyez, vous avez une case, une nouvelle case hein, maintenant, qui s'appelle Remplacer le mode pad par des stems. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dédier des pads de votre matériel, si vous êtes équipé bien entendu, en lui attribuant un onglet de votre matériel. Donc ici, moi, je vais choisir le loop roll. Vous pouvez choisir le slicer ou l'échantillonneuse. Alors, l'échantillonneuse, il s'agit du sampler. Donc moi, je choisis le loop roll. Comme ça, je pourrai contrôler mes stems directement avec les pads de mon matériel. Allez, c'est parti pour la démo. Everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move on, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. Cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by. Run, go by, run, go by, run, go by. That's the sound of the police. 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 Voilà une nouvelle fonctionnalité de Serato DJI Pro qui tient toutes ses promesses et qui va vous permettre d'élargir vos compétences de mix et votre créativité. Alors bien sûr, hein, certains d'entre vous ne pourront pas l'utiliser malheureusement, car on l'a vu, il vous faut un ordinateur récent et assez puissant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en passant, je vous rappelle que j'ai mis en place une formation très complète hein, pour aider ceux qui débutent sur le logiciel ou qui rencontrent quelques bugs. Allez, je vous laisse découvrir tout ça dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !